Bonjour à tous, voici la leçon du T. La lettre T donne le son T comme dans trompette. C'est la troisième consonne que nous apprenons. Nous les lisons toutes les trois. T, L, T, P, L, T, P, T, L. Un script. T, p, t, l, t, p, e, t, u, t, i, l. Nous allons combiner le t avec une voyelle pour former des syllabes. Allons-y. T, a, ta. E, te, t, i, ti, t, o, to, t, u, tu. D'un seul coup, ta, te, ti, to. Te, tu, ta, ti, to. Un script, tu, to, ti, li, ta, pa, le, te, pu, pi, lu, to, te, la, tu, po, ti, il. Quel mot pouvons-nous former avec ces syllabes qui commencent par t? Ta. Tu, tu, tutu. Nous pouvons dire le tutu. C'est la jupe en tulle que portent les danseuses de l'opéra. Ta, te, tâte. Il tâte un avocat, par exemple. Il le touche pour savoir s'il est mûr, peut-être. Et avec ces syllabes-ci, ta. Tu lis peu. Tulipe. Nous pouvons dire la tulipe. Pilote. Le pilote. La pelote. Petite, petite. Continuons à lire. La pâte. Par exemple, la pâte à crêpes ou la pâte à tarte. Ici, les deux te se prononcent comme s'il n'y en avait qu'un. La pâte. Ah, nous entendons le même mot, n'est-ce pas? Mais il s'écrit différemment avec deux T. Il s'agit de la patte d'un animal. La, pa, ta, te, la patte de douce. Le, loto. La, lo, te. Les deux T se prononcent comme s'il n'y en avait qu'un. Le, pi, la, te. Un script. Le tutu. La tulipe. Tape.
tapote. Par exemple, maman tapote la joue du bébé. La patte. De quoi s'agit-il? De la patte d'un animal. Le pilote. La pâte. De quoi s'agit-il cette fois-ci? De la pâte à crêpes ou de la pâte à modeler. Une pâte est plus ou moins molle. Petite. Voici les phrases. Papa tâte la lotte. Il tâte la pâte. Peut-être la pâte à tarte. Un script. Lulu tâte la tulipe. Tati tâte la pelote. Voici ce que vous allez écrire. Nous le lisons ensemble, les syllabes d'abord. Ta, te, ti, to, tu. Puis les mots. La tulipe. Le pilote. La patte. Avec deux t. Attention à bien attacher les lettres. Bon travail. Et vive l'école avec Nicole et Anatole.